Il y a des gens qui me suivent présentement. Some people are following now. Qui trouvent que mon évangile est trop sévère. That my gospel is too rash. Que ma prédication est trop dure. My preaching is too severe. Que je ne suis pas flexible. I'm not supple. Mais est-ce que vous savez ce qui vous attend après la mort? Do you know what after death? Est-ce que vous savez qu'après la mort, il n'y a plus de miséricorde? Do you know that there is no more mercy after death? Est-ce que vous savez qu'après la mort, Jésus ne peut plus rien faire pour vous pour vous sauver? Do you know that after death, Jesus can no longer do anything to save you? Est-ce que vous savez que l'apôtre Paul a dit, je traite durement mon corps? Do you know that Paul, the apostle, say, I'm treating myself harshly? Est-ce que vous savez ce que Paul veut dire? Aujourd'hui, vous acclamez. Today, you are applauding. Vous êtes heureux. You are happy. Quand vous prêchez ceux qui sont intéressants. That they're preaching nice things for you. Vous êtes heureux d'entendre ces prédicateurs. You are glad to hear all these preachings. Qui vous révèle l'exaltation des choses de ce monde. Who show you the good things of this world. Comment vous serez milliardaire? Oh, you're gonna be a billionaire. Comment vous allez contrôler les entreprises? How are you gonna control companies? Comment vous allez contrôler ce monde? How are you gonna control this world? Comment vous allez dominer ce monde? How are you gonna rule over this world? Mais laissez-moi vous dire que c'est un évangile de séduction. Let me tell you, this is a gospel of deception. Parce que le monde que l'église va contrôler, ce n'est pas ce monde-ci présent dans ce seul présent. Because the world that the church has to control is not that world of today. C'est vrai, il arrivera que l'église contrôle le monde, mais ce n'est pas dans le siècle présent. Yes, the church will control the world, but not that world. Les gens vous enseignent des hérésies et puis vous acclamez et vous croyez en ces paroles. People are teaching you lies and you believe in that and applauding. Le siècle présent appartient au diable. The nowadays, the Lord belongs to the devil. Que le monde entier gît sous la puissance du malin. The Bible says the whole world is under the yoke of the devil. Mais il est vrai que l'église va régner, mais ça sera après le retour de Jésus. The church is gonna rule, but after the church, Jesus comes back. Allez-y dire à vos révérends. Go and tell your bishops. Allez-y dire à vos bishops. Go and tell your bishops. Allez-y dire à vos évêques. Go and tell your super bishops. À vos archbishops. Your big bishops. Allez-y dire à vos docteurs. Go and tell your doctors. Que c'est faux ce qu'ils prêchent. That they are preaching lies. Ce n'est pas dans ce seul présent que l'église va contrôler le monde. It's not in that century that the church is gonna rule the world. In that sanctuary, ce que l'église recherche, what the church, c'est le réveil spirituel, is the spiritual revival. Qui prépare? Who is coming? Qui prépare? Prepare. L'avènement de Christ. The coming of Christ. Quand le réveil soufflera dans le monde. When the revival blows. Que Dieu va rétablir l'église. And God will establish the church. Et puis Dieu va faire la moisson des âmes. And God will do the harvest of souls. Alors la trompette sonnera. Then the trumpet shall blow. Et l'église sera We're gonna share the meal that day. Remember this. Papa Kaku, rappelle-toi que Jésus, le dernier repas qu'il a pris avec ses disciples, il dit jusqu'à ce que. Remember the last food that Jesus shared with his disciples. He said to them, until. Le dernier repas, la sainte cène. The Holy Communion. Le pain et le vin. The bread and wine. Nous allons nous retrouver dans les airs. We're gonna meet in here. Et à nouveau, le Seigneur Jésus lui-même
After these 7 years, alors l'église, then the church, et Jésus Christ, and Jesus Christ, descendront sur la terre, will come down on earth, sur le mont des Olivets là-bas, on the mountain, à Jérusalem. In Jerusalem.